Nous allons continuer aujourd'hui de nous connaître davantage et de parler de nos actions dont on a commencé à parler la semaine passée, où nous avons mentionné qu'avant d'accomplir une action, avant qu'elle devienne visible, nous faisons un plan, nous possédons un germe, et si ce germe est sain, si ce plan est correct, c'est que notre action va devenir bonne. Mais si ce germe est maladif, si ce germe est déformé, si ce germe est trop personnel, trop égoïste, notre action va devenir malsaine ou mauvaise. Et les causes de tout sont en nous. Nous avons mentionné même certaines phrases des Écritures saintes où Jésus nous parlait de ces lois, de la loi des causes et des effets qui dirige, qui régit toutes nos actions, car toute énergie émise, toute action déclenchée s'enregistre et selon ces enregistrements, la récolte, la moisson, le retour est exactement pareil. Dans le passé, tous les initiés, tous les maîtres, tous les instructeurs de l'humanité enseignaient toujours la même chose. La seule chose qui change, c'est le vocabulaire, les images, la forme par lesquelles on présente différemment les mêmes choses, mais à chaque époque, elles sont présentées différemment. Nous nous sommes dit que dans le plan mental, ce germe, cette semence naît avant qu'elle devienne visible. Et que ce qui est le plus important, c'est la motivation. Il faut que cette motivation soit détachée de nos pensées, de nos préoccupations, de notre personnalité et qu'elle soit au service de tout le monde. Mais on s'est dit aussi que toute pensée, tout germe est ensuite alimenté, soutenu par les sentiments et qu'au niveau des sentiments, on peut ou dessécher la semence, qu'elle ne donnera rien, ça veut dire la pensée ne se réalisera pas, ou on peut l'alimenter tellement qu'elle va pourrir, qu'elle va moisir, et dans ce cas, ce n'est plus quelque chose qui est constructif et créatif. Et on s'est dit de cette façon qu'il existe le karma qui ne veut rien dire d'autre que l'action, que cette action commence, naît d'abord dans le plan mental et ainsi on peut parler du karma mental. Ensuite le karma sentimental et à la fin seulement cela devient physique, une action physique. Vous imaginez par exemple un voleur et ce voleur se prépare pendant des mois et des mois, il se prépare de voler. Et toute cette préparation dans la pensée, comment il pense, comment il veut agir, comment il se prépare, comment il forme son karma, eh bien ça s'appelle le karma en formation. Mais ce karma en formation est déjà au niveau physique. Imaginez, comme l'image, chaque image vaut 5000 mots, alors on va regarder les images. Quand le karma mental était accompli, la semence, le germe était formé. Il était soutenu par les sentiments. Et il commence à devenir le karma tangible. Mais le voleur, qui a pensé pendant des mois et des mois de voler, qui a tout préparé, qui a soutenu son plan par tout son désir de voler, alors, il commence son action. Mais même dans l'action, il y a des degrés. Même s'il a commencé l'action, jusqu'à ce qu'elle n'ait pas accomplie, il y a toujours la possibilité de se corriger, il y a toujours la possibilité de supprimer la cause qui était engendrée. Alors, le voleur, que nous le voyons ici, il commence son action. Dans sa pensée, c'est clair. Dans ses désirs, dans ses sentiments, c'est très fort. Il veut accomplir cette action
Et voilà, il commence. Il commence son action. Et ça s'appelle le karma en formation. Il commence l'action. Il va aller chercher le pistolet. Il va aller chercher les balles. Il commence à préparer les clés. Mais ça ne veut pas dire que l'action est déjà accomplie. Il la prépare, il la forme. Et pendant qu'il forme, il n'y a rien encore de final. Tout son acte peut être corrigé. Mais s'il ne se corrige pas, eh bien, c'est qu'il va continuer. Et le karma en formation va devenir le karma accumulé. Alors, il accumule les objets, il accumule les outils, il accumule, il amplifie son action parce qu'il continue, donc il accumule son karma, tout est préparé. Le pistolet, les clés, tout ce qu'il a besoin pour accomplir son acte et le karma accumulé quand il est décidé d'aller accomplir l'acte. D'aller accomplir son geste qu'il a préparé pendant des mois ou même des années. Mais même dans ce cas, ce n'est pas encore fait. Nous parlons là d'un voleur. Mais vous pouvez imaginer un criminel qui se prépare ainsi pour aller tuer quelqu'un. Un qui veut se venger et qui habite en Italie et qu'il va aller jusqu'en Californie pour tuer quelqu'un. Alors, d'abord, il forme son karma, son action. Il prépare le plan et quand qu'il a tout préparé, là, il prend un avion pour s'y rendre. Il a tout dans sa poche et il prend l'avion pour s'y rendre. C'est le karma accumulé. Mais même s'il est déjà rendu, ce n'est pas encore accompli parce qu'il faut qu'il trouve la personne et puis il faut qu'il la tue. Donc, déjà dans l'action, il y a encore des degrés où on peut remédier ou on peut corriger et pas nécessairement accomplir le mauvais geste, déclencher une énergie qui va nous revenir avec une exactitude pareille. Alors, dans le karma accumulé, disons le voleur prend tous ses outils et il est décidé d'y aller. Et voilà, il attend le moment quand c'est très propice, quand c'est le plus favorable pour lui. Imaginez la police en grève, et l'électricité en panne. Alors, ça va être très favorable pour lui, pour s'y rendre. Et imaginez qu'il prend sa voiture. Tout est avec lui, rien ne manque. Et si c'était quelqu'un qui a fait quand même de très bonnes choses dans le passé, qui a accompli un service, le ciel, parce que nous tous, on a nos guides, on a les instructeurs qui nous observent, le ciel va lui encore envoyer un bon message pour l'assagir. Imaginez qu'en allant voler une banque, qu'il va avoir en route un accident. Et que voilà, l'accident, ce n'était pas le malheur, mais c'était un avertissement, un bon avertissement. Il va se retrouver à l'hôpital pour 6 mois pour réfléchir. Là, il sera calme et il va réfléchir. Et s'il a compris le message, il va dire « Mon Dieu, aide-moi de sortir de cet hôpital, je ne recommencerai plus jamais ce que j'ai voulu faire. » Mais si c'est un voleur, un bon voleur, alors il va attendre le moment de sortir pour pouvoir continuer la même chose qu'il faisait. Alors, avant que vraiment ça se fasse, il y a des avertissements qu'on nous envoie, il y a des messages qu'on nous envoie devant n'importe quelle situation. Nous recevons en tout 9 messages, toujours. Mais de ça, nous allons parler plus tard. Comment les messages nous viennent? Ça, c'était un message drastique qu'il a reçu. C'était déjà un accident. C'était quelque chose pour le vraiment secouer, pour qu'il devienne conscient qu'il agit mal. Surtout si dans le passé, il a accompli des bonnes actions et qu'il a donné des preuves qu'il est capable de faire du bien. Alors, son karma accumulé peut être un peu retardé par une telle situation que, disons, il a eu un accident ou quelque chose d'autre qui arrive, qu'il était empêché d'aller voler.
Mais certaines ne sont pas en péché parce que dans le passé, ils n'ont pas donné des preuves de bonté, des preuves de la volonté. Et dans ce cas, on s'occupe un peu moins d'eux. On ne leur envoie un message si compréhensible et si clair. Et dans ce cas, il va directement et il vole. Et voilà, quand il entre et quand il tire, symboliquement, quand la balle est partie, eh bien, c'est là qu'on ne peut plus remédier et le karma devient mûr. Et la troisième partie, le troisième point, la troisième catégorie, dans l'accomplissement de l'action, de nos gestes, c'est le karma mûr. C'est accompli. On ne peut plus changer. C'est écrit, c'est inscrit. Vous écrivez une lettre à quelqu'un, et puis si vous écrivez votre lettre avec crayon à mine, c'est ça? Bien, vous tournez votre crayon, parce que de l'autre côté, vous avez une petite efface, et voilà, vous effacez ce qui était mal écrit. Mais si vous écrivez avec de l'encre, eh bien, c'est plus difficile d'effacer. Et c'est déjà écrit, et dans l'éther cosmique, tout s'inscrit d'une telle façon qu'on ne peut pas effacer. On ne pouvait pas effacer. On peut l'effacer seulement depuis que Jésus est venu sur la terre. Jésus nous a apporté la possibilité d'effacer le karma. D'effacer parce que, premièrement, il nous a apporté les possibilités de devenir plus conscients de nos actes, de nos actions. Il a expliqué dans les évangiles comment ça marche. Il a dit, vous récolterez ce que vous avez semé. Dans cette seule phrase est exprimée une loi universelle qui forme une science avec une exactitude dont on n'a aucune idée. La science des ondes. Des ondes, c'est à l'infini. Imaginez seulement notre musique, ici dans ce monde. À quel point la musique est variée. Et on ne sait pas encore comment notre oreille capte les ondes et de quelle nature sont ces ondes. On connaît quelques petites choses, mais ce n'est pas complet. Alors, juste ce que nous connaissons déjà, c'est très peu. Et voilà, de cette façon, c'était expliqué, c'était transmis, mais on n'a rien compris et nous continuons à accomplir la même chose que jadis. Et qu'est-ce qu'il nous a apporté encore? C'est qu'il a apporté un courant nouveau qui n'a jamais existé auparavant. Et c'est avec ce courant, qui est comme, un peu comme une efface, c'est avec ce courant, avec cette nouvelle matière qu'il a apportée, qu'on peut effacer même le karma mûr. Et comment s'appelle ce courant? Certains l'appellent le courant christique, d'autres l'appellent le courant de l'amour universel, ou on peut l'appeler encore autrement, seulement avec amour. Et seulement par l'amour qu'on peut effacer le pire karma. Imaginez deux êtres qui sont aujourd'hui mariés, mari et femme. Et qu'il y a des siècles et des siècles, c'était deux soldats qui se trouvaient dans un champ de bataille et ils se sont transpercés jadis. Et il y avait un qui était parti parce qu'ils se sont transpercés. Et que l'endroit où celui qui était transpercé, bien c'était l'endroit exactement là où se trouvait son rein gauche. Et aujourd'hui, après, ils se sont revus, peut-être comme des collaborateurs, peut-être encore comme deux adversaires, puis encore comme deux cousins, puis encore comme deux êtres encore plus proches. Et aujourd'hui, pour régler certaines choses, pas nécessairement d'une façon désagréable, mais comme ils ont donné des preuves, des bonnes qualités, on leur permet aujourd'hui de régler leur affaire karmique d'une façon bonne, d'une façon pacifique. Et voilà, imaginez que le mari, qui était jadis transpercé, qui a perdu son rein, qu'aujourd'hui, un peu à cause du passé, un peu à cause de l'élimination, un peu à cause d'autres exagérations qu'il a fait dans le passé, alors tout d'un coup, son rein va être attaqué. Et la chirurgie lui enlève un. Et comme l'autre est surchargé, alors il y a le danger d'enlever l'autre. Et son épouse, par l'amour aujourd'hui envers lui, son épouse qui lui a jadis enlevé, qui l'a transpercé,
Eh bien, aujourd'hui, par l'amour, son épouse va lui offrir un rein. Alors, par l'amour, avec l'amour, au lieu de se transpercer encore, au lieu de se bagarrer encore, et au lieu d'agir d'une façon violente, ils vont régler leur karma, leur cause, par un effet pacifique, par un geste d'amour, parce que c'est faisable. Il y a beaucoup de cas aujourd'hui où ça peut se régler, où ça peut s'effacer, même un karma mûr, parce que dans les auparavant, on ne pouvait pas accomplir un tel geste, mais aujourd'hui, c'est possible, justement à cause que Jésus a déblayé le chemin, et sur ce chemin, c'est facile de marcher pour nous aujourd'hui. La question du karma est extrêmement complexe, c'est toute une loi universelle qui est connue par les cultivateurs d'une façon naturelle, qui est connue par d'autres êtres sur la terre qui étudient cette question et qui la connaissent. Mais la plupart des humains, les masses, ne s'arrêtent jamais sur leurs gestes, sur leurs actions, et ils ne se rendent même pas compte que c'est eux-mêmes qui provoquent leur malheur, que la terre entière aujourd'hui, elle est la seule coupable de tout ce qui existe, de tout ce qui a été désorganisé, qui a été mal fait et qui a été détruit ou qui a été dans l'état tel que nous le trouvons aujourd'hui. Même nous avons mentionné la semaine passée les questions de suicide. La question de suicide, elle est aussi très très large. Car dans ce cas, on accomplit un geste karmique qui va nous revenir. Nous avons mentionné qu'il y a quand même des cas différents. Si vous vous rappelez le cas d'un officier qui, pour sauver des milliers de soldats, il va s'enlever la vie. Nous avons mentionné le cas de quelqu'un qui est trop faible et qui va enlever la vie, mais c'est juste pour lui-même, que ce ne sont cas ne sont pas deux cas pareils. Et celui qui enlève la vie, il sera obligé de revenir, mais envers lui-même, il accomplit quelque chose que l'âme ne permet jamais. Il accomplit quelque chose qui n'est jamais projeté par l'âme, parce qu'on s'est dit déjà que l'âme ne projette jamais le suicide, elle projette la vie. Parce qu'elle a besoin de passer par des expériences, elle a besoin d'apprendre, et c'est pour ça qu'elle bâtit le corps. Et imaginez si une personne qui s'est suicidée à 20 ans, qu'elle aura besoin elle avait projeté la vie encore pour 40 ans, eh bien elle va revenir pour 40 ans. Et les suicides du passé, c'est une des causes de la mortalité des enfants. Et si quelqu'un s'est suicidé quelque part à la guerre, même personne ne savait, mais c'était inscrit. Il est mort comme un patriote ou comme un héros, mais dans l'éther cosmique, c'était un suicide. Et voilà, il lui restait peut-être quelques minutes, quelques heures, quelques jours à vivre, et il va revenir pour quelques minutes, quelques heures ou quelques jours, exactement pour combler ce qui était enlevé jadis. Alors dans certains cas, ce n'est pas toujours ce cas, mais dans certains cas, la mortalité des enfants, de certains enfants, c'est la cause d'un suicide dans le passé. Et justement par un suicide, on accomplit une action karmique. On accomplit quelque chose qu'il faudrait absolument payer par la suite, mais on l'accomplit envers soi-même. Et c'est quelque chose qui n'est jamais permis par l'âme, car elle projette, elle choisit le bagage, le karma, si vous voulez, surtout le karma négatif. Aujourd'hui, on comprend souvent sous le mot karma tout ce qui est seulement négatif. C'est pas tout à fait ça, parce que nous avons toujours accompli, comme même la majorité, des actions positives. S'il n'y avait rien de positif, on ne pourrait pas progresser ni évoluer. Et le bon, le positif, c'est le bon karma, et le mauvais, le négatif, c'est le mauvais karma. Mais tout ce que nous recevons comme grâce, tout ce que nous recevons comme don, tout ce que nous recevons comme bénédiction, nous ne nous arrêtons même pas, comme nous ne nous arrêtons pas sur la bonne santé pendant qu'on est en bonne santé.
Personne ne pense à l'air, personne ne pense à sa santé. C'est seulement quand on s'est dérangé, c'est seulement quand on a transgressé quelque chose, là on s'aperçoit tout d'un coup que la santé existe ou que l'air existe et qu'il faut respirer et qu'il faut avoir du bon sang, etc. Alors, dans le cas karmique, c'est pareil. Quand le karma est bon, quand nos conséquences sont bonnes, on ne s'aperçoit même pas qu'on a fait quelque chose, qu'on a fait des mauvais coups. Mais seulement quand ça devient dur, seulement quand le choc, le vrai choc dur, nous revient, eh bien c'est là qu'on commence à parler de quelque chose et qu'on s'aperçoit de quelque chose. Mais en réalité, la plupart de nos actions étaient sûrement bonnes, puisque aujourd'hui nous sommes arrivés quand même à un degré de l'amour, à un degré de la compréhension, à un degré de la conscience qui sont quand même plus larges, plus évolués, plus élevés. Alors, par le suicide, nous accomplissons une action, une mauvaise action, envers notre propre âme, qui est notre directrice, qui est notre maîtresse, et nous agissons absolument contre la loi de la vie. Nous supprimons le corps physique où le courant de la vie est enraciné dans le cœur, et pendant que ce courant de vie entretient notre corps physique, il faut le laisser, et tout ce qui est considéré comme le mauvais karma, comme nos mauvaises conséquences, est appelé dans le langage ésotérique comme bagage. Nos valises, symboliquement, représentent le karma négatif, tout ce qui est lourd à transporter, tout ce qui est lourd à porter, alors nous le considérons comme un bagage. Alors pour quelqu'un qui a beaucoup de dettes à payer karmiquement, ça veut dire envers beaucoup de personnes, envers plusieurs maris, envers plusieurs femmes, envers plusieurs êtres sur la terre, il a les dettes à payer, les dettes morales, les dettes d'honnêteté, les dettes, toutes sortes de dettes. Alors ce sont les effets karmiques, les conséquences karmiques, et personne au monde ne pourra le faire pour nous, c'est seulement nous-mêmes. C'est comme vous voulez vous rendre quelque part, eh bien, il faut qu'on se rende nous-mêmes. Pour manger, eh bien, c'est pareil, personne ne peut manger à notre place. Pour respirer, c'est pareil, personne ne peut respirer à notre place. On peut nous aider, on peut nous expliquer certaines choses, on peut nous apprendre, on peut nous éclairer, mais c'est à nous de le faire. Et sur ce chemin de l'amour que Jésus nous a déblayé, eh bien, c'est à nous de marcher. Il nous a montré, il est venu de nous aider, il est venu d'accomplir quelque chose pour toute l'humanité, mais c'est à nous de marcher. Et s'il est venu, ça ne veut pas dire du tout que nous, maintenant, on reste les mains pliées et puis on ne fait rien parce que Jésus est venu nous a sauvés. Il a sauvé dans le sens qu'il a ouvert ce courant, ces portes, ou si vous voulez, dans le langage d'aujourd'hui, puisqu'on est dans un pays de neige, il a déblayé, il a défriché le chemin et il nous a permis de marcher facilement, de marcher bien et d'accomplir tout ce qu'il faut comme il faut. Et la question du karma est extrêmement large, on peut encore continuer à l'infini. Alors ce bagage que nous prenons, ce bagage que nous choisissons avant de venir sur la terre, avant de naître. Vous vous rappelez qu'on a parlé il y a quelques semaines de la salle de la sagesse par laquelle toute âme passe avant de descendre sur la terre. Il y a des seigneurs du karma ou des seigneurs de la destinée qui sont 24 et ils sont là qui président toute cette assemblée et nous y passons pour choisir notre future vie, sa durée, la place, les parents, le métier, etc. Et quand nous y passons, eh bien c'est là qu'on nous montre quel sera notre bagage. Et c'est là que nous l'acceptons, que nous acceptons de le porter. Et voilà, tout est prévu, tout est déjà sur les plans, sur le projet, et nous serons capables de le faire, nous serons capables de le porter. Et symboliquement, vous allez voir sur une image que vous allez suivre d'en haut vers le bas. D'en haut vers le bas, vous allez voir le karma du passé. Ça veut dire tout ce qui était produit dans le passé, nous le portons comme un bagage, comme un baluchon,
sur le dos, le karma du passé. Vous voyez le petit bonhomme qui porte son baluchon sur le dos, c'est le karma du passé. C'est la personne qui s'occupe de son bagage, elle n'est aidée par personne, elle doit tout régler, elle doit payer toutes ses dettes. Et vous savez très bien comment ça marche à travers notre système d'aujourd'hui, à travers les dettes, les banques, les hypothèques et tout ce qu'on doit payer aujourd'hui. C'est que dès que quelqu'un n'est pas, dès que quelqu'un ne suit pas comme il faut, ne paye pas comme il faut ses dettes, eh bien il est poursuivi d'une telle ou d'une autre façon et ça peut aller jusque dans la prison. Alors le karma du passé, c'est ce bagage que nous portons nous-mêmes seul sur le dos. Ça veut dire on doit régler tout ce qu'on a transgressé, qu'on a déréglé, justement, le mot régler, ça veut dire qu'on a déréglé dans le passé. Mais il y a des personnes qui ont accompli beaucoup de bonnes actions dans le passé. Il y a des personnes qui ont le karma ou le bagage moins lourd. Il y a des personnes qui sont capables déjà de servir et d'aider les autres. Et dans ce cas, une telle personne va choisir une famille. Imaginez une jeune fille qui est aujourd'hui dans une famille, ou jadis dans un cas où la famille est très très nombreuse. Et cette fille, elle était très serviable, elle était très bonne dans le passé, et elle est suffisamment forte pour partager le karma avec sa mère. Sa mère, elle a encore beaucoup de choses à payer. D'abord, elle a 12 enfants. Deuxièmement, elle doit s'occuper de la famille. Troisièmement, elle a provoqué une maladie qu'elle est aujourd'hui peut-être paralysée. Et voilà, sa fille vient. Et pour libérer sa mère, pour aider sa mère, pour que sa mère s'occupe de la famille, et peut-être sa mère comprendra mieux le service, l'amour et d'autres choses. Parce que, imaginez que pendant 6 ans, c'était la mère qui était paralysée. Et sa fille, surtout l'âme de sa fille, parce que sa fille n'est pas consciente, mais c'est au niveau de l'âme que tout s'accomplit, après 6 ans de la maladie de la mère, qui devait être encore malade 6 ans, eh bien c'est la fille qui tombe malade, c'est la fille qui devient paralysée, et tout d'un coup la mère est correcte, la mère est guérie, et la mère s'occupe des enfants, et quand elle observe sa fille, eh bien là, comme c'est sa chair, comme c'est son sang, alors ça éveille en elle beaucoup de choses et elle commence à prier, elle commence à se questionner et dans sa conscience s'accomplit tout à fait un autre travail que pendant sa propre maladie. Parce que sa fille est belle, sa fille est jeune, alors c'est un peu autre chose que pour elle-même. Et voilà ce karma de la jeune fille qui partage avec sa mère cette tâche pour l'aider, pour qu'elle devienne plus consciente, pour qu'elle s'occupe de la famille et pour qu'elle paye ses dettes plus rapidement. Ça s'appelle tout simplement le karma partagé. Ce que vous allez voir au milieu sur l'image, c'est que quelqu'un porte son baluchon, son fardeau, mais la deuxième personne d'en arrière, elle vient pour l'aider, pour supporter et pour partager son bagage, pour partager son fardeau, pour que tout soit plus accéléré, pour que tout soit mieux compris, plus rapide, etc. Et ce n'est pas encore tout, parce que comme on s'est dit déjà, qu'il y a des cas où ce n'est pas du tout notre propre karma. On n'a pas produit nous, on ne l'a pas engendré, et qu'on est venu seulement pour donner des preuves, qu'on était suffisamment fort, qu'on était suffisamment préparé, qu'on a accompli suffisamment de bonnes actions pour donner aujourd'hui des preuves de la miséricorde divine, de la bonté divine, de tout ce qui s'est passé de miraculeux. Il y a beaucoup de cas où la personne est venue pardon, pour donner de telles preuves parce qu'elle était capable. Et ça s'appelle le karma de l'avenir. Pour elle-même, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça va lui servir dans l'avenir. Ça va lui faire beaucoup de bien. Il y aura quelque chose d'accéléré, quelque chose d'élargi, quelque chose d'éclairé, de bien compris. Dans l'avenir, la personne peut évoluer beaucoup plus rapidement si elle a accepté
de servir, devenir une preuve pour une œuvre divine. Et ce karma, vous allez voir encore sur l'image, ça s'appelle le karma de l'avenir, c'est que la personne a choisi exprès quelque chose et elle porte son fardeau devant elle. Ce n'est plus sur son dos n'est plus courbé. Elle est tout droite, elle est capable de porter ce fardeau et il était choisi exprès par l'âme pour donner des preuves, pour donner des preuves de l'œuvre divine ou pour donner des preuves pour quelque chose d'autre. Et la personne elle-même se renforce à travers ce choix. Alors, dans ce cas, c'est le karma de l'avenir, c'est quelque chose que la personne elle-même a choisi, eh bien, pour servir, pour donner des preuves, pour donner quelque chose de tangible qui pourra servir à tout le monde. Un jour, la science, la médecine, tout ce que nous connaissons aujourd'hui s'occupera de ces lois. Et imaginez seulement pour la médecine combien de cas et combien de choses seront réglées et claires. Il y a des cas qui sont absolument qu'on peut absolument pas traiter ni par la médecine ni par d'autres branches de tout ce qui existe aujourd'hui. Il y a par exemple des phobies qui sont absolument inexplicables. On ne sait pas d'où provient quelque chose comme une telle peur ou une autre peur ou telle phobie. Et s'il n'y a pas un initié, un maître, un instructeur qui est capable d'aller jusqu'à la cause, aucune branche de notre science d'aujourd'hui n'est capable de l'expliquer. Par exemple, on rencontre une belle femme aujourd'hui qui a la peur des chats. Mais une peur, vous dites bleu, ou je ne sais pas de quelle couleur, une peur, mais une telle peur que c'est inexplicable. Elle dit, comment se fait-il que les chats, c'est un animal très charmant, c'est un animal extraordinaire, et que voilà, elle ne supporte pas les chats. Imaginez que cette belle dame, au XIVe siècle, eh bien, elle vivait dans un village, dans une famille simple, et ses parents travaillaient dans les champs. Et elle était un petit garçon de 14 mois, et le petit garçon était en train d'apprendre à marcher, et il traînait dans la cour. Et comme les parents étaient dans le jardin, tout d'un coup, le petit garçon était attaqué par un chat enragé. Et comme le médecin n'existait presque pas, il était loin, et pour secourir, c'était trop compliqué, alors le petit garçon était, je ne sais pas, griffé, mordu, et voilà, il est décédé par la suite de ces morsures d'un chat enragé. Mais imaginez que dans les cellules de cet enfant, tout était enregistré. D'ailleurs, nous avons déjà parlé comment dans notre cœur, tout s'enregistre. Et comme aujourd'hui, cette dame peut-être trouver la cause, peut aller chercher d'où ça vient, alors ça arrive et cette phobie revient à la surface. C'était peut-être plus au fond, jadis. Mais aujourd'hui, ça revient à la surface et elle cherche la cause, comme la fille dont on a parlé la dernière fois, la fille d'un médecin qui était violée. Elle fait du stop une fois dans la vie et voilà, elle est violée. Alors, la dame, avec un travail, d'abord avec les photos, elle va observer les photos des chats. Il va se dire que c'est un animal tout à fait inoffensif. Et aujourd'hui, chez elle, il y a 3 chats et elle est tout à fait bien. Elle est tout à fait amie avec cet animal qui lui a causé dans le passé les images très souffrantes qui se sont imprimées dans ses cellules et dans la mémoire de ses cellules. Aujourd'hui, ça paraît comme un dérangement. Ne vous étonnez pas de certaines images, ils sont peut-être un peu durs, mais c'est juste pour vous démontrer à quel point tout a une cause et à quel point tout nous revient. J'ai rencontré un homme assez jeune qui s'intéresse à la spiritualité, aux sciences ésotériques, à toutes ces belles choses, et il dit, voulez-vous m'expliquer s'il vous plaît pourquoi je ne supporte pas la couleur rouge ? Il dit, je sais que c'est la couleur de la vie, je sais que c'est le sang, je sais que c'est à quel point c'est important. Il dit, je peux vous donner 1000 raisons
par l'intellect, par le raisonnement même, mais il dit, je ne supporte pas et j'ai des nausées et je suis malade quand je vois la couleur rouge. Bien, alors il y a sûrement une cause. Et puis il dit, j'ai consulté les médecins, j'ai consulté toutes sortes de créatures sur la Terre qui pouvaient peut-être comprendre ça, mais il dit, personne ne peut m'expliquer d'où ça vient. Et le voilà, le jeune homme. Le jeune homme était dans une vie, dans un pays oriental, où on pratiquait beaucoup les tortures. Et il était emprisonné il était un prisonnier, et il était emprisonné dans une cour. La cour n'était pas grande, mais elle était pavée d'une pierre blanche, de la pierre blanche. Et dans cette cour, on martyrisait les détenus, ça, on les appelle les détenus, on les martyrisait, et il y avait un genre d'échelle. Et sur cette échelle, exactement comme nous, on a des échelles pour monter, mais cette échelle était penchée dans une position descendante. Et on plaçait l'homme sur cette échelle, la tête vers le bas. Elle était très penchée vers le bas, et puis les bras attachés sur l'échelle, et on lui coupait les veines sur les poignets, et on coupait à peine pour que le sang dégoutte, goutte par goutte, sur la pierre blanche. Alors imaginez un homme qui regarde vers le bas, penché, où le sang arrive avec un afflux, comme ça, vers le bas, et il voit son propre sang dégoutter, goutte par goutte. Imaginez comment sur la pierre blanche, ça résonnait, ça frappait l'œil, et puis ça frappait sûrement l'oreille aussi, parce que ça résonnait. La goutte, quand elle tombe, elle résonne. Et voilà, ça s'est tellement imprimé dans son organisme qu'aujourd'hui, seulement de voir la couleur rouge, eh bien, ça crée des nausées et ça devient insupportable parce qu'il voyait comment la vie s'en allait de son organisme d'une façon si drastique. Alors, évident qu'aujourd'hui, il va avoir une réaction pareille. Et puis, après un certain travail, après un certain temps, eh bien, il est arrivé à accepter la couleur et puis il est arrivé à se calmer, à stabiliser son état. Et on pourrait trouver ainsi des cas et des cas, des exemples et des exemples. Un autre exemple, il y a une dame qui est déjà assez âgée et qui ne supporte pas des plumes, mais aucune plume. Il dit une plume d'oie, une plume de poule, une plume d'oiseau. Il dit, quand je vois la plume, je deviens malade. Il dit, j'ai des frissons, j'ai quelque chose qui se produit dans mon organisme. Il dit, ça me fait peur, mais ce n'est pas tout à fait comme la peur, c'est plus, parce qu'il dit, je deviens comme un hérisson, c'est l'animal qui se dresse avec ses aiguilles. Porc-épic. Pas un hérisson? Porc-épic? Alors, porc-épic. Et elle devient toute irritée et elle ne sait pas comment se fait-il. Elle dit, quand même, c'est un objet tout à fait agréable. Il y a les enfants qui aiment beaucoup jouer avec ça. Les oiseaux, ce sont des créatures admirables. Alors elle dit, j'aimerais bien savoir pourquoi je ne supporte pas des plumes et je deviens malade. Malade, toute irritée. Et voilà. Je la vois couchée sur le dos, sur un champ de bataille. Un champ de bataille, mais c'était déjà après la bataille. Et le jeune homme, le jeune soldat, était gravement blessé. Mais il avait beaucoup de blessures, il ne pouvait plus bouger. Et comme ses amis, les autres soldats, étaient déjà loin, il n'y avait personne pour l'aider. Et dans cette agonie, il était attaqué par les oiseaux qui venaient et qui arrachaient sa chair. Il était incapable de bouger, mais devant ses yeux, ses dernières images avant de mourir, les dernières images, mais c'était seulement des plumes.
C'était spécialement les ailes et puis tout ce qu'ils voyaient, ce plumage des oiseaux qui arrachait sa chair. Alors imaginez à quel point ce qui s'est imprimé dans ces dernières minutes de la vie, à quel point c'était drastique, à quel point c'était dur. Et voilà, aujourd'hui encore, le tonneau se renverse et ces images reviennent à la surface pour comprendre, pour éclairer et pour savoir, et en même temps pour nous donner un exemple, puisqu'on en parle, et je pourrais vous encore parler et donner des exemples et des exemples. Ça, c'est, disons, plus drastique. Ça, c'est quelque chose qui est dur. Mais il y a des cas, quelquefois même amusants, où vraiment la cause est dans le passé et ça devient absolument inexplicable. J'ai connu une jeune fille qui faisait les études à l'université et elle étudiait les phénomènes parapsychologiques et elle faisait une thèse sur les phénomènes de toucher les objets et d'après ce toucher, de les décrire. Alors, elle faisait sa thèse et elle devait décrire certains objets. C'est psychométrie. Et alors, dans ce travail, elle devait transmettre une bague à une de ses amies, une bague à une amie, et cette amie lui devait décrire qu'est-ce qu'elle ressent en touchant la bague. L'amie n'était au courant de rien, elle devait seulement donner la description, elle ne savait pas de qui la bague provenait. Et pour le faire, cette jeune fille a transmis la bague par sa tante qui connaissait l'amie. Et voilà, la tante prend la bague, elle la met dans son sac et 2 semaines après, la tante veut transmettre la bague, elle cherche la bague, il n'y a plus de bague. Elle dit, je sais très bien comment je l'ai enveloppée bien dans, je sais pas, dans un Kleenex, je l'ai placée quelque part dans un coin, et puis elle dit, la bague est disparue d'une façon inexplicable, il n'y a pas de bague, je cherche partout. Elle dit, ce n'est pas tellement la valeur de la bague qui me dérange, mais elle dit, c'est quand même malcommode que je suis une personne adulte et que je ne suis pas capable d'accomplir un petit service de rien du tout. Et puis on cherche la cause, comment se fait-il? Alors il y a certainement une cause. Pourquoi la bague était perdue? Il dit, peut-être la valeur c'est 20 dollars, c'est pas ça. Il dit, mais c'est gênant. C'est gênant que je n'étais pas capable de faire ça. Et voilà les 3 personnes, on les retrouve jadis, oh, je ne me rappelle plus, c'était je crois le 11e siècle, où la jeune fille qui fait aujourd'hui sa thèse, elle était une jeune femme dont le mari était un officier. Et comme le courrier était très lent, comme il fallait transmettre les dépêches, elle aidait son mari et elle était déguisée en homme. Et alors sur un cheval, elle allait là où il fallait pour transmettre les messages. Et un jour, elle passe par sa ville natale. Et elle aimait beaucoup ses parents. Elle n'avait pas le temps de s'arrêter chez ses parents. Elle voulait leur transmettre seulement le message qu'elle est en vie et que tout va bien. Et alors, elle regarde sa main et elle prend la bague et elle voit dans la rue un petit garçon, elle l'appelle parce que le père de ce petit garçon travaillait quelquefois chez son père. Elle dit, est-ce que tu connais le monsieur qui habite là-bas en haut de la rue? Ah, il dit, oui, je connais, mon père travaille quelquefois chez lui. Alors, elle dit, tu vas lui transmettre cette bague et puis le monsieur va savoir de quoi il s'agit. Alors, elle donne au petit garçon la bague. Et le petit garçon s'en va et la dame continue son chemin. Le petit garçon met la bague dans sa poche et puis en marchant, tout en se dirigeant vers la maison de monsieur, il tire la bague, il prend la bague, puis il la regarde, puis il la met encore dans sa poche, puis il la regarde encore. Puis tout d'un coup, il y avait une rue qui menait au marché. Et ça le tentait beaucoup d'aller vendre la bague. Il prend encore la bague, il la regarde, puis il regarde la maison. Puis finalement, ce désir de vendre la bague le prend et puis il se dirige vers le marché. Il l'a vendue sûrement pour une bagatelle, mais il n'a pas accompli son message. Il n'a pas transmis la bague là où il fallait et la valeur qu'il a reçue pour la bague, il devait à la dame. Et aujourd'hui, les 3 se retrouvent. La jeune dame déguisée qui aidait son mari, c'est la jeune fille qui écrit sa thèse, qui transmet encore une bague à son ami qui était jadis son père.
Et la tante, qui était jadis le petit garçon, doit payer exactement la somme qu'elle a reçue, mais en plus, et toute cette situation gênante, parce que ce que le petit garçon a profité, c'était pas grand-chose. Mais aujourd'hui, cette mesure de gêne va exactement correspondre à cet acte enfantin. Et que voilà, par cette gêne, la tante va payer sa petite dette. Alors, ce sont des choses qui paraissent presque ridicules. On ne s'arrête jamais devant telle chose, mais comme la tante et ses deux amis connaissent déjà un tout petit peu certaines lois cosmiques, alors on peut aller chercher ainsi la cause de tout, de tout, de tout. Il y a les divorces aujourd'hui qu'on ne peut pas éviter. On ne peut pas éviter parce que c'est une affaire karmique. Il y a une jeune dame qui se présente et qui est très maltraitée par son mari. Aujourd'hui, elle dit, c'est insupportable, je suis presque violée. Eh bien, elle cherche à comprendre et jusqu'à quand ça va durer. Et quand on regarde la situation, d'où ça provient et pourquoi c'est comme ça et qui est coupable, alors dans une autre vie, c'est elle qui était l'homme. Aujourd'hui, elle est une toute petite femme, toute menue, mais jadis, c'était un homme très robuste, un homme très fort, qui a traité sa femme, qui est aujourd'hui son mari, d'une façon mais absolument exacte. Il y a même les gestes, il y a même les situations qui se répètent presque, parce qu'ils ne sont pas arrivés à se pardonner ou à régler leur karma par amour. Le ciel les a mis encore ensemble, comme un couple, comme les êtres qui sont unis le plus intimement. Mais au lieu de s'accorder, au lieu de s'harmoniser et au lieu de régler tout avec amour et par amour, alors ils continuent à se battre, donc ils n'utilisent pas la voie, le chemin que Jésus a montré, que Jésus a indiqué, parce qu'on s'est déjà dit que le premier qui nous a indiqué le chemin de régler le karma par l'amour, c'était Jésus. Et il y a des cas comme ça à l'infini, qui sont causés dans le passé et les conséquences nous subissons aujourd'hui. Mais là non plus, on ne peut pas juger, parce que nous ne savons pas quand c'est une conséquence et quand c'est une cause. Vous prenez un divorce, deux divorces, très semblables. Mais dans un cas, ça va être une affaire qui va régler le passé, qui va payer, qui va complètement effacer le passé, ça va être une affaire réglée, tandis que dans un autre cas, c'est quelque chose qui commence. C'est une cause. Et dans un autre cas, c'était un effet. C'était une conséquence. Alors c'est pour ça, encore de nouveau, et encore une fois de plus, nous n'avons jamais le droit de juger. Nous n'avons jamais le droit de dire quoi que ce soit seulement si nous voyons dans le passé, et quand nous voyons dans le passé la vraie cause, ben on n'a rien à dire. Parce que c'est d'une telle justice qu'on n'a qu'à s'émerveiller à quel point c'est bien fait, c'est bien placé, c'est agencé, ça le mot. C'est tellement bien ajusté, c'est tellement bien placé qu'on n'a absolument rien à dire, seulement s'émerveiller et se demander comment ces seigneurs du karma, ces seigneurs de la destinée, comment ils le font, quelle sorte d'ordinateur ils ont, d'une perfection absolue, où absolument tout geste, chaque action est enregistré avec une exactitude absolue et ça va nous revenir dans la même mesure avec une exactitude absolue. Et ce n'est pas tout. La prochaine fois, nous parlerons encore du karma, car il y a les maladies et le karma. Nos maladies, dans la plupart des cas, ou peut-être presque à 100%, c'est causé par un karma du passé, par une exagération, par un abus. On peut aller maintenant dans la question de la sexualité. Il y a la question d'homosexualité. Il y a beaucoup, beaucoup de questions qui concernent le passé. Il y a le karma féminin et le karma masculin. L'homme n'accouche pas, il ne peut pas mettre au monde un enfant. Mais la femme qui souffre, c'est le karma féminin.
Mais l'homme qui revient dans une autre vie comme une femme, eh bien, il va être influencé par le karma féminin. Vous prenez aujourd'hui les mouvements féministes, vous prenez aujourd'hui tous les combats qui se passent sur la terre. Vous savez que l'homme, il représente la volonté. C'est son mental qui est fort, c'est l'activité. Tandis que la femme, symboliquement, c'est la réceptivité ou passivité qui est la réceptivité. C'est le côté lunaire, c'est le côté imaginaire, c'est tout à fait une autre polarisation. Alors, à cause de cette polarisation, à cause que les courants agissent différemment sur nos corps, sur nous, alors il y a le karma féminin et le karma masculin. Ensuite, on va parler la prochaine fois du karma personnel. Ce qu'on a vu sur la petite image, le fardeau que nous portons nous-mêmes. Il n'y a personne d'autre, seul nous-mêmes, on peut le régler, on peut mettre tout en ordre. Mais vous prenez par exemple la grippe. On ne sait pas que la grippe, c'est un karma collectif. On ne paye jamais seulement pour nous-mêmes, on paye toujours un peu pour tout le monde, parce que toutes les maladies contagieuses représentent un karma collectif. Vous prenez les Juifs, par exemple, c'est très visible comment ce peuple a un karma commun. C'est ce peuple qui n'a pas compris le Christ. C'est le représentant de ce peuple. Ils ne sont pas aujourd'hui les Juifs. Ils sont peut-être parsemés à travers le monde, mais ils subissent les conséquences. Alors, il y a le karma personnel, il y a le karma familial. Vous vous demandez quelquefois comment se fait-il? Quelle est cette justice divine qui vous a placé dans une famille pareille et que vous vous comprenez si bien avec tout le monde, sauf avec les membres de votre famille? Eh bien, il faut le savoir que nous avons choisi la meilleure famille qui nous permet d'évoluer le plus rapidement possible et le mieux. Et plus c'est dur, mieux c'est, parce qu'on se cherche, ça nous gêne, et puis on cherche, on essaye d'avoir des explications, des éclaircissements, et voilà. Ça avance plus rapidement. Alors, il y a le karma familial. Et là encore, on pourrait parler de l'égrégore familial qui est aujourd'hui extrêmement puissant et qui agit sur les suicides. Donc, on va encore continuer de parler de ça. On va encore détailler davantage la question du suicide parce que c'est extrêmement vaste. Il y a les suicides collectifs. Il y a les suicides qui sont dirigés par des désincarnés. On va parler par exemple, quand quelqu'un est condamné à mort, comment ça s'appelle? La condamnation à mort? Alors, quand la condamnation à mort supprime le corps physique, mais l'homme reste avec ses désirs. Et ses désirs, il essaye de les réaliser après. Alors, ça peut produire des crimes et des crimes, et en réalité, c'est des faibles de ce monde qui les accomplissent, mais le vrai coupable, il n'est pas dans ce monde, il est déjà désincarné, mais il agit sur ceux qui sont faibles ici. Après, on va parler de karma national. Il y a des karmas nationaux. Ce n'est pas pour rien que nous nous trouvons dans une telle nation ou dans une autre nation. Si vous prenez quelqu'un qui est, je ne sais pas, d'un pays chaud, son caractère, son tempérament va être complètement différent que le tempérament et le caractère de quelqu'un qui vient d'un pays froid. Il va s'exprimer différemment, il va parler différemment, ses gestes seront différents. Vous prenez quelqu'un qui vient d'Espagne et vous prenez quelqu'un qui vient de Norvège. Vous les placez à côté et c'est deux êtres comme s'ils venaient de deux planètes différentes. On va parler ensuite du karma planétaire. Comment par le karma planétaire, la Terre entière est entraînée dans la même affaire. Vous dites on est tous dans le même bateau et c'est très vrai. Regardez la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale et on se dirige presque vers la Troisième. Eh bien, c'est que nous sommes liés par un karma planétaire, et ensuite on va même mentionner le karma universel qui existe et dans lequel nous participons aussi. Alors voyez, à part du karma mental, sentimental, physique, en formation, en préparation, le karma mûr, le karma du passé, le karma partagé et le karma de l'avenir,
le karma masculin et féminin, il y a encore les différents genres du karma qu'on va élaborer et dont on va parler la prochaine fois.